avez fait un petit trou dans le tronc de l'érable, et ben vous n'avez plus qu'à donner un petit coup sur le robinet. Wow. C'est pas sérieux, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est bloqué. Waouh, vous venez de déraciner un arbre. Vous devez être super fort au bras de fer. Cet arbre est pétrifié. Ça faisait un sacré bout de temps que j'avais pas gagné d'argent de poche aussi facilement. Et moi, je vais le doubler mon argent de poche quand papa me demandera de nettoyer tes bêtises. Hé ! Il vient de se passer un truc incroyable ! Tous les arbres du parc national se sont pétrifiés. Tous les arbres ? Normalement, ça prend des millions d'années. C'est pour ça que c'est incroyable. On ferait bien d'aller voir ce qui se passe. On a un gros problème dans le corps ! T'es en retard, on est déjà au courant. Oh, décidément, le rouge, ça ne me va vraiment pas. Les gormitis de la forêt se font attaquer. Mais le plus étrange, c'est qu'ils souffrent tous du même mal qui pétrifie leurs membres petit à petit. Bah, dis donc. Alors c'est le moment de passer à l'action, les amis. Force des éléments! Terre! Océan! Forêt! Air! Révélez-nous le maître de cet instant et confiez-lui nos pouvoirs. Aujourd'hui, le maître Air... Alors à toi l'honneur, Jessica. Oh là là, c'est toujours elle. Et maintenant, à nous de jouer. C'est bon, allez-y. Gormitis, seigneur de la nature, en avant. Puissance de pierre. Force de la forêt. Pouvoir de l'océan. On y va. Ouais. Les garçons, je suis en train de vous perdre. Vous êtes là? Jessica, est-ce que tu peux nous entendre? Je crois qu'on a un problème. Razol? Aucune raison de paniquer. Mais il vaudrait mieux avoir un extincteur dans le coin, juste au cas où. C'est le temple de Luminos le Suprême. Oh là là, j'avoue que j'ai eu peur pendant une seconde. Seigneur de la nature, vous allez bientôt devoir faire face à une force plus maléfique que tout ce que vous pouviez imaginer. Et pour pouvoir livrer cette dangereuse bataille qui vous attend, vous allez avoir besoin d'être plus fort que jamais. Recevez le pouvoir de la lumière! Puissance de la pierre! Force de la Vous avez vu ça? Ah ouais, c'est trop la classe! Pas mal du tout! Quand vous serez en difficulté, je chargerai vos bracelets pour vous donner le pouvoir dont vous aurez besoin. Oh non, c'est vraiment pas juste! J'aurais voulu tester ma nouvelle armure, moi aussi! Je viens de découvrir quelque chose, Razol! Je savais que c'était une bonne idée que tu sois le maître de cette mission! Bon, écoutez les garçons, d'après le grimoire des voyages, vous êtes dans la nation de la forêt. Le grimoire des voyages ne se trompe jamais. Oh. Ah, tu l'as trouvé? Non, pas encore. Non, attends, on peut peut-être les suivre pour savoir ce qu'ils cherchent. Combien de fois on va devoir vous écraser pour que vous arrêtiez enfin de venir chez nous? Oh,
comme les arbres du parc national. Il faut les aider, ils ont besoin de nous. Hey, ça te dit qu'on attaque ces deux mange-moufs par surprise? Est-ce que t'es partant? Ouais, avec plaisir. Quoi? Je suis désolé pour la surprise, mais il nous reste quand même l'attaque. Élimine-les! Choc sismique! Non, c'est pas vrai! Je me pétrifie moi aussi! Heureusement que t'étais là. Fais-moi plaisir, calme un peu ta joie la prochaine fois que tu veux me féliciter. Et attention! Laissez s'échapper! Moi? Pourquoi c'est toujours ma faute? Parce que c'est jamais la mienne! Et comme y'a personne d'autre ici, c'est forcément à cause de toi! Ah, il a encore raison et j'aime pas quand il a raison. Vous devez nous aider! Nos pouvoirs se sont affaiblis et nos branches se sont fragilisées! Si ça continue, on va tous se pétrifier et on ne sera plus qu'un tas de pierres! Non, on les laissera pas faire! Regardez! On dirait qu'ils essayaient de capturer quelque chose. Vous avez une petite idée? Non, ils ne nous ont jamais rien demandé. Quand ils viennent, ils nous attaquent, c'est tout. Vous devez protéger vos amis. Nous, on va aller voir ça d'un peu plus près. D'après moi, on est bien au beau milieu de la forêt. Bien vu, Toby. On a essayé de découvrir s'il y avait quelque chose de spécial. Et devinez ce qu'on a trouvé? Quoi? Absolument rien, mis à part des tas de petites bestioles. Hein? Oh non, pas ça! Non, Toby, pas ça! Attendez, Jessica, est-ce que ces bestioles ne vivent que dans cette partie du Gorm? À moins qu'il y ait une espèce gigantesque. C'est pas un filet pour attraper des petites bestioles. Ils cherchaient quelque chose d'autre. Une petite seconde. Vous êtes aussi tout près du territoire du gros ver putride. Et c'est l'un des deux éléments cruciaux nécessaires pour l'élaboration d'une formule magique. J'en étais sûr. Quel genre de formule magique? J'en sais pas plus. Quoi? Alors là, je comprends vraiment plus rien. Yo, petit frère, tu admets enfin que tu peux pas tout savoir? Je suis fier de toi. Aïe! Avec toutes ces histoires à la ramasse, on n'est pas plus avancé. Je crois qu'il est temps de demander de l'aide. Jessica? D'accord, on va voir si ça fonctionne, ce truc. Je savais que vous alliez me contacter. Alors j'imagine que vous êtes au courant pour le gros ver putride? Je vais tout vous expliquer. Le gros ver putride est un des deux éléments clés pour une incantation de régénération. J'ai jamais entendu parler de cette incantation. Parce qu'on la trouve uniquement dans le codex de Magor. Et c'est quoi ce codex? C'est de la magie noire, Lucas. La forme de magie la plus diabolique qui existe. La prophétie annonçait que Magmion allait se servir du gros ver putride pour pouvoir utiliser l'incantation qui permettra de régénérer l'être le plus maléfique qui n'ait jamais existé. Obscurio. Peut-être que si on cache le gros asticot dans un endroit secret, Magmion ne réussira pas à le trouver. La seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Mais comment on va trouver ce ver tout moisi alors que Magmion, lui, il l'a même pas encore localisé? Vous connaissez déjà celui qui vous mènera au gros ver putride. Recevez le pouvoir de la lumière! Vos pouvoirs ont été diminués par le maléfice du Codex. Ceci vous aidera. Ça nous aidera comment? Vous vous en rendrez compte le moment venu, chaque chose en son temps. Des armures en or et des nouveaux pouvoirs mystérieux? Alors ça, c'est vraiment la classe! Eh bien...
bien, c'était le plus mauvais jour pour être le maître. Oh, je suis persuadé qu'il y en aura de bien pire. On l'aurait déjà capturé si les seigneurs de la nature n'étaient pas intervenus. C'était seulement un petit contretemps dans ma quête suprême. Mais personne ne pourra se mettre en travers de mon chemin. Regardez! Voilà le codex de Magor! Obscurio le Tout-Puissant est en train de le décoder. Et grâce à ça, ses pouvoirs augmentent d'heure en heure. Comment ça, Obscurio? Je croyais qu'il était perdu dans un monde parallèle depuis des siècles. Oui, et comme il est piégé dans une autre dimension, j'ai du mal à croire qu'il puisse avoir des pouvoirs dans celle-ci. Lequel de vous deux ose mettre en doute les pouvoirs d'Obscurio? C'est Obscurio qui a décrypté la partie du codex de Magor grâce à laquelle on a pu jeter un sort sur la Terre. La pétrification des arbres a eu pour résultat d'affaiblir les pouvoirs des Gormiti de la forêt, les laissant à ma merci. Et ce n'est que le début. Les pouvoirs immenses d'Obscurio passent à travers toutes les dimensions. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on rassemble les éléments qui lui permettront enfin de revenir dans le Gorm, en chair et en os. Pitié, pardonne-nous, Seigneur Magnon. Nous nous prosternons devant son excellence. Et maintenant, ramenez-moi le gros ver putride, sans oublier le descendant. Oh non, ils se sont transformés en statues de pierre. Ne perdez pas espoir, on a peut-être trouvé le moyen d'annuler cette mutation. Mais il faut d'abord qu'on trouve le ver putride. Comment vous êtes au courant pour le gros ver putride? Il vit sur ce qu'on appelle le territoire interdit. Si Magmion réussit à le trouver avant nous, on ne pourra plus jamais l'arrêter. Je peux vous emmener à la frontière, mais je n'irai pas plus loin. Tous ceux qui ont franchi cette limite ne sont jamais revenus. Peut-être qu'il reste là-bas parce que c'est génial et qu'il s'éclate, non? Non, il y a une force très puissante de l'autre côté. Je le sais parce que je la sens. Si vous entrez à l'intérieur, mes pensées vous accompagneront. Je vous attendrai en espérant vous voir revenir sain et sauf. Ici. Bah dis donc, c'est toi qui rapetisse ou c'est moi qui grandis? Attrape ma main! Nous lâche pas, d'accord? Je glisse! Non! Bras de lâche! Accroche-toi! Accroche-toi! Tentacule d'or! Lucas, aide-moi! Non! Nick! Force de la forêt, envahissez tout mon être et donnez-moi votre puissance. Lucas! Wow, t'as vraiment assuré, Lucas. On a bien rigolé. Merci, Nick. Heureusement que le seigneur de la forêt était avec vous aujourd'hui, hein? Le voilà! Mais il est tout petit! Je m'attendais à une bestiole énorme! Oh, il est même trop mignon! Enfin, pour un gros ver putride! Ouais, c'est ça, sauf que ton gros ver putride tout mignon, il vient juste de me couper l'appétit! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cacher notre nouveau copain dans un endroit top secret! Ouais, bon! En tout cas, une chose est sûre, il est hors de question que je touche à ce truc! On a qu'à le mettre là-dedans! Pour
le protéger. Mais je trouve que même avec l'histoire des sables mouvants et des lianes qui ont voulu écrabouiller Toby, tout ça paraît beaucoup trop facile. Sans oublier que j'arrête pas de penser à un petit détail qui me tracasse. C'est leur filet. J'arrive toujours pas à comprendre à quoi il leur servait. Attendez une minute, pourquoi les pouvoirs d'arbre canon n'ont pas été affectés comme pour les autres gormitis de la forêt? Même moi, j'y ai eu droit. Je me suis justement posé la même question. Et vous voulez savoir ce qu'on a trouvé? Rien du tout, pas le moindre indice. Pas cette fois, jeune homme. On a découvert qu'Arbre Canon était un descendant du gardien des anciens temps qui était chargé de surveiller Gros Ver Putride. Ça y est, j'ai tout compris. En plus du Gros Ver, Magmion a besoin d'un deuxième élément pour faire revenir Obscurio. Et ce deuxième élément, c'est Arbre Canon. Oh. Quand même fini par comprendre. Vous êtes malin, mais vous arrivez trop tard. Vous allez devoir oublier votre ami Arbre Canon parce que vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Mais si vous vous rendez en nous donnant le Gros Ver Putride, je vous promets solennellement de ne pas vous faire de mal. Sache que les seigneurs de la nature ne se rendent jamais, et plus important encore, ils ne laissent jamais tomber leurs amis. Peut-être, mais j'ai quand même réussi mon coup. Ne me dis pas que c'est tout ce que tu sais faire. On doit pas le laisser s'emparer du gros asticot. Le gorme est déjà bien assez rempli de forces maléfiques. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, un filet magique? Oui, mais pour l'instant c'est un filet mignon. Enlève tes mains pleines de doigts de notre prisonnier. Sinon je vais me faire le plaisir de t'éliminer comme un petit moucheron. Attention! Non! Arbre canon! Merci pour le coup de main, mais je me charge du reste. Ouais, génial. Hein? Oh non! Ce serait pas ça que vous cherchez par hasard, hein? Oh non! Mais l'important, c'est qu'Arbre Canon soit sain et sauf. Et Magmion ne peut pas réussir sans lui, on est bien d'accord? Désolé, mais j'ai échoué. Sans la présence d'Arbre Canon, le descendant de l'ancien gardien du Gros Ver Putride, il est malheureusement impossible de vous faire revenir dans le Gorme avec tous vos pouvoirs. Mais c'est déjà un bon début. Aujourd'hui, la chair, et demain, le pouvoir. Seigneur de la nature, il vous faudra être plus fort que jamais. Eh hey, pas, dis-moi ce que tu penses de mon autoportrait. Ça cartonne, hein? Ton fils est un artiste. Oh, mais qu'est-ce que... Mais je ne sais pas si on peut appeler ça de l'art, hein? Mais la prochaine fois, je serai un petit peu plus précis quand je vous demanderai de peindre la maison. Oh, c'est pas grave. Je vais faire la salle de bain.
Ça aurait pu être pire, mais tout est bien qui finit bien.